C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, épisode estival, un peu mouillé, parce que quand même, hein, quelle météo. Il fallait que j'en parle, ça fait longtemps que j'ai pas commencé le show. Parlons de météo. Petit météo éclair. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, très content de vous parler. Il fait chaud en ce moment, on annonce la pluie encore demain. Regarde ça, comment je suis content de te voir. Oh, t'as découvert des effets spéciaux. Est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? J'ai découvert ça par hasard, c'est dans les réglages vidéo de macOS Sonoma, donc la version bêta système d'exploitation de Mac. Ben voilà, fait que genre, je peux désormais réagir de façon visuelle avec des emojis à même la caméra, donc j'ai hâte d'utiliser ça un peu n'importe où. Ben, oui, je pense que ça peux fonctionne même faire dans le météo. Oh non, c'est ça. Ben ça, tu vois, c'est la météo de début de semaine. En fait. Donc, ceux qui nous regardent pas en vidéo, vous pouvez nous regarder sur YouTube, on publie, vous me voyez faire des grimaces. Vous me voyez boire. Facebook, oui. Vous voyez boire de l'excellent café. Du café fait avec quoi, Alain? Tu t'en doutes, ceux qui nous écoutent toutes les semaines, c'est avec la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme son café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de son choix. À la pression d'un seul bouton, on peut même acheter du lait ou pas dedans là-dessus. Un seul bouton, t'as un cappuccino assez fantastique, nettoyage super facile avec un nettoyant aux enzymes, une petite capsule qu'on met dedans pour le nettoyage du mécanisme aussi. Ça évite l'accumulation de tartre et compagnie. Allez dans la salle de montre, Edica, leur salle de montre sur Saint-Laurent. Arrivez là sans avoir bu de café. Vous allez sauter en sortant sinon et vous allez pouvoir tester et regarder tous les modèles de la collection Jura. La E8 est un super beau modèle qui me comble encore de joie. Et c'est sincère, c'est un partenaire et tout, mais il me comble encore de joie après presque 2 ans de partenariat maintenant. Il y a aussi TELUS, Plan Hub et Jura qui sont mes partenaires pour le podcast. Oui, TELUS qui en passant est devenu partenaire cette semaine de Soccer Canada. Donc pour ceux qui s'intéressent, c'est quand même pas rien. Je savais que Bell était présent à travers la MLS, les équipes canadiennes de la MLS. Là, TELUS s'insère dans le soccer. Et je dis ça parce que pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une série de textes cette semaine dans Le Devoir à propos de Lionel Messi qui est arrivé à Miami cette semaine. Oui, oui. Je suis allé à Miami voir ça en personne. Non. Et c'était pas mal de fun. J'étais peut-être à 10 mètres de Messi, ce qui est pas une grosse affaire. OK, mais tu touché Messi. J'ai pas touché physiquement. Je pense qu'il m'aurait punché ou un des nombreux gardes. Il y avait beaucoup de sécurité. Ce que j'ai vu, c'est une ligue en culotte courte accueillir un géant de sa profession. Et peut-être être prise elle-même de court par la popularité du phénomène. Donc, ça va être le fun à suivre comme sujet. Comment la MLS, et d'ailleurs, je vais avoir quelque chose sur le CF Montréal aussi, mais comment tout ce monde-là du soccer nord-américain est en train de prendre un coup, de rehausser ses standards, de devenir une vraie ligue majeure, en fait, à cause de la venue de Messi, qui est un peu forcée aussi par le fait qu'avec une entente avec une compagnie comme Apple pour la diffusion des matchs sur Apple TV. Oui, il faut qu'il remonte. Il doit y avoir des rendements, puis il doit y avoir des indicateurs de performance assez ambitieux à raconter. Des sous aussi, il y a de l'argent en banque, effectivement. Exactement, qui va permettre de faire des revenus pour aller chercher les joueurs prestigieux. On va parler de bagues connectées, ce que tu apportes en ce moment. Ce qu'on regarde, on n'a pas la même. J'en ai même une autre que je vais aller chercher tantôt pour juste comparer, parce que je viens de réaliser que je l'ai oublié dans mon bureau, mais je vais aller la chercher. On parle de bagues connectées parce que c'est un accessoire de santé désormais qui est assez intéressant. On parle de ça en troisième segment. En deuxième segment, on s'est un peu éclaté. Même mon cerveau, écoute, a fait boum, parce que on l'a pris enregistré pour plein de raisons. Mais on va parler de la fameuse vague des intelligences artificielles. Oh oui. Mauvaise, mais si vous voulez du crunchy. Ah oui, vous allez avoir du crunchy. Ah oui, non, sérieusement, est-ce qu'on va s'inquiéter? Est-ce qu'on va être optimiste? L'avenir est-il rayonnant ou pas? On en parle avec un professeur de l'INRS, Jonathan Roberge. Mais avant ça, on a de l'actualité. Alors, allons-y rapidement. Je regardais hier soir, parce que c'est toujours à 4h30 que les publications financières sortent parce que les bourses sont fermées. Alors, les entreprises publient leurs résultats trimestriels et c'est là que ça se passe. Et hier, c'était Netflix qui, d'un point de vue strictement financier, a publié des résultats corrects, mais pas impressionnants aux yeux des investisseurs. Donc, Netflix en bourse, il y a eu un effet moins positif. Mais il y a eu des éléments assez intéressants, Pascal, entre autres choses. Ce qu'on voit, c'est que l'entreprise a ajouté beaucoup, beaucoup de nouveaux abonnés au deuxième trimestre de son exercice 2023. Ça fait bondir son nombre d'abonnés de 8%. Écoute, je me permets d'applaudir. C'est ton effet visuel de petits confettis. Ah, je peux faire ça. Ton macOS parce qu'en fait, Sonoma. Ça survient au moment où, ça survient à un moment où, en fait,
dans les trois mois en question là, qui sont concernés par les résultats, c'est qu'on venait de resserrer un peu les règles concernant les comptes partagés. Donc, les gens qui partageaient entre deux adresses ou entre différentes personnes le même compte Netflix pour pas payer la mensualité séparément. On aimait moins ça chez Netflix. Et ce que les disait tout le monde, c'est « Oh, moi, j'abandonne Netflix, me désabonne, c'est là, je veux plus rien savoir. » Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 8% plus d'abonnés trois mois plus tard. Pour dire aussi que, et c'est un peu ça que Netflix a fait, et c'est pas bête, c'est qu'ils ont créé un nouveau forfait par abonnement qui inclut la publicité, mais qui coûte moins cher que les $16.50 minimum au Canada pour s'abonner. C'est un forfait à $6 par mois qui contient justement de la publicité, qui a bon certaines fonctions qui sont pas présentes. Par exemple, on peut pas télécharger des contenus pour les regarder en mode hors ligne, mais c'est parfait pour Apple TV à la maison, des choses comme ça. Mais justement, on s'est dit, bon, les gens qui veulent partager leur compte et qui disent qu'ils font ça pour sauver des sous, on va leur créer un forfait plus abordable et ils pourront s'abonner. Et clairement, ça a fonctionné. Il y a plus d'abonnés et la peut-être un petit peu la preuve indirecte que ça a fonctionné, c'est que malgré ce nombre d'abonnés plus important là qu'ils ont maintenant chez Netflix, les revenus ont augmenté, mais pas tout à fait suffisamment ou pas au niveau qu'espéraient les analystes ou calculaient les analystes. Donc, ce que ça signifie, c'est que, longue histoire courte, beaucoup de nouveaux abonnés qui payent moins cher. Probablement des abonnés aussi courants, déjà abonnés qui ont eux aussi peut-être réduit leur niveau d'abonnement pour payer moins cher, ce qui est pas bête. Parce que quand même $10 par mois d'économie, ça paraît quand on a 4-5 services, ce qui est à peu près ce que les gens ont à la maison. Donc, c'est intéressant. Moi, la question que je vais poser par rapport à ça, et je pense que la réponse se dit d'elle-même, est-ce que les autres services de diffusion en ligne vont suivre Netflix? En offrant un volet en coupant les... Premièrement, la publicité, des forfaits moins chers. Tu sais, un service comme Spotify a déjà cette espèce de combo-là, mais est-ce qu'on va vouloir resserrer? Je suis pas mal certain que bien des gens partagent des comptes Disney+, des comptes Spotify, tout ça, d'une adresse à une autre en famille ou entre amis ou peu importe. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une nouvelle tendance? Et je pense que les chiffres publiés par Netflix confirment qu'on risque de voir un resserrement. Donc, les gens qui partagent des comptes là, entre différentes adresses, préparez-vous. Vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles dans les prochains mois. Je pense que c'est ce qui va se passer. Si vous voulez tout avoir gratuit, là, c'est peu que... Il y a des restrictions qui s'appliquent à vous. Ouais, vers la publicité beaucoup, sinon, je sais pas. C'est ça. Ou des forfaits moins chers, mais avec des publicités. Moi, je reviendrai pas en arrière. Hein. Je suis plus capable de regarder des séries entrecoupées de publicité. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer. Ils veulent moins payer. Je vais te faire de la peine, mais je pense que même si on paye un plein abonnement de Netflix, Netflix veut pousser la publicité. On revient de plus en plus au modèle traditionnel parce que c'est toujours la quête des revenus additionnels. Il faut toujours faire plus d'argent avec la même offre, dans le fond. Et forcément, il va y avoir c'est certain, Spotify va, tu sais, à un moment donné, ils vont repousser une forme de publicité dans les contenus, même des abonnés payants. C'est le modèle d'affaires qui est fait comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Écoute, Facebook offre une façon de s'abonner en payant. Il y a quand même de la pub dans notre fil. En fait, il y a à peu près juste ça de la pub maintenant sur Facebook. Je pense que c'est une tendance assez forte. Ouais. Ah, d'ailleurs, je peux mettre un pouce négatif, un pouce par en bas à ça comme actuellement dans ma réaction. Voilà. Et ça, je peux faire ça dans macOS, mais là, évidemment, nous, on fait ça par Zoom. Mais dans Teams, on peut faire plus que ça encore, Pascal. Ouais, j'ai trouvé ça très drôle tout à l'heure. C'est une collaboration avec L'Oréal. Il y a 300 millions de personnes qui utilisent Teams chaque jour. Wow. Tu sais, ça permet d'économiser des déplacements, de faire des économies d'argent, de faire des réunions plus serrées sans avoir besoin de passer d'un bureau à l'autre, de réserver de salle et tout, mais il reste un gros problème, Alain, auquel tu avais peut-être pas pensé, c'est que on n'est pas toujours maquillé adéquatement dans ces réunions Teams. Une fois à la fin de la journée, on n'est pas aussi frais côté maquillage. Donc, L'Oréal a acheté une compagnie d'essais virtuels de maquillage qui s'appelle Modiface pour proposer la Maybelline Beauty Apps dans Teams. Oh, quand même, hein? Donc, dans Teams, application professionnelle de réunion pour les entreprises, on va pouvoir se maquiller. On va avoir le choix entre 12 looks de maquillage. Alain, j'ai un peu peur d'en faire l'essai. j'ai un peu peur d'en faire l'essai. Je l'ai appris un peu trop tard pour le faire, mais je pense que la semaine prochaine, si on fait une balado, en tout cas, notre prochaine balado, il va falloir la faire sur Teams et se maquiller un peu. Au pire, ce sera drôle. Mais je suis pas certain que c'est une avancée, parce qu'à un moment donné, il faut s'accepter comme on est. Moi, je pense juste le conseil d'utiliser un bon éclairage dans ces réunions Teams. Je pense que ça fait toute la différence. L'éclairage. Je pourrais comprendre un peu minimum et de fond. La position de la caméra aussi. Quand on a juste un gros menton, c'est sûr que ça met personne à son avantage. Quand on voit les trous de nez, là, moi, ce que j'aime beaucoup dire, je donne des formations là-dessus sur Microsoft 365 et comment faire des bonnes réunions Teams. Si tu vois les fosses nasales, c'est mal.
Si tu vois l'intérieur des fosses nasales, c'est mal. Donc, si tu vois l'intérieur des fosses nasales dans une réunion Teams, ça vaut la peine de monter son laptop. En tout cas, il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir des meilleurs looks. Si tu vois un gros nez, tu peux reculer. As-tu d'autres trucs comme ça qui riment? Parce qu'il y en a écoute, il y en a un qui va me revenir tantôt. Tu sais, déjà que dans Teams, on a des filtres Snapchat qui, je trouve, sont extrêmement enfantins. Je me dis que c'est peut-être pour l'éducation. Si tu fais des classes en ligne, tu veux garder l'attention des enfants, tu te transformes en clown. Littéralement, là, tu te mets un petit chat sur la tête. Bon, peut-être qu'il y a des enfants qui vont trouver ça amusant. Dans un contexte d'affaires, on peut dire, bon, on veut faire une petite transition rigolote, on veut passer par... Mais tu sais, le président qui fait sa présentation annuelle avec un petit chat sur l'épaule, je suis pas sûr de le comprendre. Ouais, bon, Puis ça remet l'image que pour être bien et que tu aies la belle apparence, il faut que tu sois maquillé. Ce qui, je pense, c'est pas tout à fait dans l'esprit non. de la diversité, de s'accepter comme on est. Je trouve ça Je croise encore, et ça arrive trop souvent, mais des gens qui se maquillent en traversant le Pont-Jacques Cartier sur l'heure de pointe dans leur voiture en conduisant. Donc, le maquillage constitue un élément important du travail de bien des gens. Et effectivement, les gens sont beaux naturels, mais on peut pas empêcher cette tendance-là. Et si on peut le faire virtuellement, tant mieux pour les gens qui en bénéficient. Écoute, ça va être moins d'achats de vrai maquillage, mais ça va renforcer le concept que pour être présentable, tu dois être maquillé. J'ai un malaise avec ça. Quand je vois la journée sans maquillage, je me dis, ça devrait être le contraire. Le maquillage, oser vous maquiller moins souvent. Oser être au naturel la majorité du temps. Et pour des raisons quand tu fais un peu festif, tu te maquilles. C'est comme une forme de drogue, effectivement. C'est ça. C'est que c'est une dépendance qu'on a imposée comme ça. Et de rappeler aux gens que même dans les réunions Teams, il faut être bien maquillé. Je trouve ça assez particulier. C'est très, très philosophique comme point. Je m'emporte un peu ici. Toi, tu voulais parler d'une action collective québécoise contre Nintendo. Ouais, c'est un peu plus terre-à-terre, effectivement, mais les gens qui connaissent l'expression Joy-Con Drift savent de quoi il est question, parce que c'est un problème dont même Nintendo a confirmé l'existence déjà en 2020. Le président de Nintendo, à l'époque, a dû s'excuser. Et vous savez, quand les présidents d'entreprises japonaises s'excusent, c'est toute une histoire, parce que ça, en tout cas, c'est très important, la cérémonie d'excuses en Japon. Cérémonie et tout le kit, effectivement. Le Joy-Con Drift, donc, c'est quelque chose qui arrive trop tôt dans la vie d'utilisation en fait d'une console Switch de Nintendo. La Switch, vous savez, c'est comme une console portative qu'on peut brancher à sa télé à travers un adaptateur, mais aussi de chaque côté de l'écran, il y a les deux contrôleurs. Ils s'appellent les Joy-Con, Joystick Controller, on a réduit ça à rien. Et la portion Drift, c'est que au bout de certains temps, les contrôleurs perdent de leur précision et se mettent à envoyer des commandes eux-mêmes sans qu'on les touche. Ooh. En fait, le meilleur exemple, c'est que si vous avez un personnage dans un monde, dans un univers virtuel et que vous le laissez sur place immobile et que vous ne touchez pas au contrôleur, éventuellement, il va se mettre à se déplacer tout seul. Quand vous passez rien. Et c'est ce qu'on appelle le Joy-Con Drift. Donc ça, c'est un problème qui est arrivé avec les consoles Switch et qu'on a laissé aller chez Nintendo sans vraiment rien faire, sans porter de correctif ou rien, juste en s'excusant comme ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que en 2021, il y a une jeune joueuse de Switch basée à Saint-Amable sur la rive sud de Montréal qui a déposé une demande d'action collective qui vient d'être autorisée par la Cour supérieure du Québec. Donc l'idée, c'est de dire: maintenant, on va étudier la question et on va déterminer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que ça va être quoi la mesure. Ce qu'on demande, en fait, dans l'action collective, c'est que Nintendo dédommage à hauteur de $100 les joueurs qui ont acheté une Switch Lite ou un contrôleur Joy-Con ou Joy-Con Pro. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. C'est le dédommagement en termes strictement punitifs. Et qu'en plus, on demande à Nintendo de dédommager d'une valeur variant entre 90 et $260 chaque personne qui a acheté un appareil défectueux au Québec depuis 2017. Donc, c'est quand même pas mal de monde, ça aussi. Ça va être intéressant de suivre ça parce que aux États-Unis, il y a une action collective similaire qui a été intentée et elle n'a pas abouti. Par contre, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, en plus de tout le reste, c'est que le Québec, c'est un peu le paradis de l'action collective pour plein de raisons, mais surtout parce que la loi sur la protection des consommateurs est assez stricte au Québec et est très respectée. Peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a protection collective, mais elle est assez présente, est assez sévère, que justement, elle permet de mieux protéger les consommateurs, à condition que les consommateurs, de temps en temps, montrent les dents, et c'est ce qu'on est en train de faire dans ce dossier-là. Mais ça va être intéressant de suivre ça. Ils ont dit qu'il y a 26 000 personnes qui ont signé la demande d'action collective, donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de Switch,
moi, toi qui dis d'avoir des problèmes de Switch. Donc, ça va être intéressant de suivre ça parce que si les gens qui ont une Switch reçoivent ce montant d'argent-là, ben, c'est un jeu ou deux de plus qu'ils vont pouvoir se permettre gratuitement, disons ça comme ça. Ou un meilleur la prochaine contrôleur. Génération de la console. Ou la prochaine console Nintendo, effectivement. Donc, à suivre si vous avez une Switch à la maison. Et que vous avez fini de jouer à Zelda. Moi, ce que j'ai pas fini, je l'ai et j'ai pas le temps. Puis là, faut que j'écrive là-dessus quelque part. Je sais pas que j'ai pas le temps. La flûte du temps, là, c'est quoi le... Non, c'est pas la flûte, c'est les mon Dieu, c'est pipo, les larmes du royaume. Tears of the Kingdom. Mais je suis pas à jour. C'est un très bon jeu. Il est trop long. Ben, il est pas trop long. En fait, c'est ça l'affaire. Il est assez long. Pour une fois, on paye, tu sais, 70$, puis on est content parce qu'on a vraiment quelque chose de bien. Et ça va être ça, mon angle, j'ai l'impression, parce que on paye pour du temps de jeu. Maintenant, on paye pas juste pour un jeu. Tu sais, c'est calculé comme ça. Les environnements ouverts, il y a X nombre de missions. Les gens le finissent en 2 heures. Pouf, ça vaut 90$. Nintendo est allé un peu plus loin, je trouve, de côté là. Donc, ça, c'est bien, mais pour les contrôleurs, il faut que tu parles de jeux qui apportent de la valeur. Il faut que je glisse un mot vite là, sur Flight Simulator de Microsoft. J'ai trouvé un contrôleur, un joystick, un manche à balai chez Renaissance, 8,75. Wow. Ça me comble de bonheur. Moi qui n'ai pas gamer du tout, là, j'ai passé au moins 3 quarts d'heure à piloter l'avion dans Top Gun. Un bon vieux joystick, des fois un bon manche à balai. Ça vaut 8,75 pour moi. Jouer comme ça, c'est très, très rare chez moi. Parle-nous rapidement, Pascal, de Google, là, qui enlève, en plus d'enlever plein d'autres affaires à l'autre monde, là, enlève la connexion Internet à certains de ses employés. Oui, je sais pas si tu as vu ça. C'est hilarant parce qu'une compagnie hautement technologique, on s'attend pas à ce qu'ils coupent l'Internet à ces gens. Google a demandé à 2500 employés de travailler sans Internet dans un programme pilote. Ils peuvent avoir accès à Gmail, à leur stockage Google Drive, mais pas au reste du web. Pourquoi? C'est pour prévenir les attaques de pirates informatiques. Ils n'ont pas d'accès à Internet, donc les pirates ne peuvent pas les attaquer. Il semble qu'ils ont beaucoup d'attaques récemment. Moi, je me dis, c'est peut-être aussi pour aider les employés à se concentrer un petit peu, pas faire un petit tour sur TikTok ou sur la lune rapidement, ben oui. Aller voir sur ChatGPT des solutions, ce qui est pas nécessairement la meilleure des choses, ou leur outil interne de génération d'intelligence artificielle. Évidemment, là, on rassure les employés qui peuvent pas se passer d'Internet plus que 5 minutes, là, qu'ils peuvent toujours revenir au programme normal. Mais je trouve que c'est une belle initiative pour permettre aux employés de retrouver une concentration. J'imagine que c'est des employés qui codent, ils ont pas nécessairement besoin d'avoir accès à Internet pour voir des nouvelles sur TV en nouvelles ou quelque chose comme ça. Alors, c'est très drôle que Google teste de ne pas donner d'Internet à ses employés. Peut-être une mesure pour les entreprises qui trouvent leurs employés trop dissipés. Peut-être en discuter avec eux. Peut-être que si on limitait l'Internet, les gens seraient plus à... Couper l'Internet à l'heure des repas. À certains moments stratégiques. Il y a une fatigue technologique qui s'installe au bureau. On note de plus en plus ça, c'est peut-être une solution. Ça va être un autre sujet, par contre, parce que c'est pas mal lourd. Fatigue comme technologique, j'aime ça. Ouais. Merci, Pascal. Écoute, on va prendre une pause rapidement. On va revenir avec, parlant de fatigue technologique, un autre sujet qui peut-être commence à essouffler bien des gens et on en parle d'une façon assez intéressante. Merci. Est-ce que l'intelligence artificielle telle Llama 2 qui vient d'être présentée par Facebook, là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est moins bon? Il y a tout un débat là-dessus, il y a beaucoup de chamaillage. On en parle avec un expert qui a un point de vue intéressant sur la question. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. On va parler de choses sérieuses en segment d'entrevue parce que c'est de l'actualité brûlante, en fait, et c'est aussi à plus long terme quelque chose qui est assez important depuis au moins, on est presque rendu à 1 an maintenant parce que c'était au début de l'automne dernier qu'on a commencé à parler beaucoup de ChatGPT. Bon, là, évidemment, il y a eu Bard du côté de Google avec Palm 2. C'est drôle, les noms de ces affaires-là. Et là, il y a eu Llama 2, en fait, qui est la deuxième génération de la suite d'applications d'intelligence artificielle de Meta, qui à la blague, hein, Pascal, devrait peut-être se renommer Llama. Ça a l'air que c'est la mode chez Facebook, en fait, de donner le nom de ce produit Llama. Ben oui. Ça a des impacts technologiques, commerciaux, sociologiques, ça a toute une tralée de possibilités avec ces nouvelles applications-là, qui a la particularité d'être open source, donc disponible gratuitement. C'est vraiment comme ça que Facebook veut se démarquer de ses rivaux. Et je pense que c'est un héritage de ce que Yann LeCun apporte à toute la recherche en intelligence artificielle, parce que c'est un des 3 fameux pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne avec Yoshua Bengio. On connaît bien Montréal, puis Jeffrey Hinton, qui était chez Google et qui a démissionné en se disant, ouais, c'est la fin du monde, ces affaires-là, je touche plus à ça. Et là, évidemment, je paraphrase un peu caricaturalement, n'est-ce pas? Et pour parler de tout ça, on a avec nous un expert en culture numérique,
Jonathan Roberge, qui est responsable du laboratoire sur les nouveaux environnements numériques et l'intermédiation culturelle, est titulaire de la chaire de recherche du Canada du même nom, et professeur à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Bonjour, Jonathan. Bonjour, messieurs. On s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps dans le cadre d'une recherche que tu as fait avec des gens de l'Université Concordia sur, je vais appeler ça, le techno-optimisme des médias. Là, depuis novembre, donc depuis même avant qu'on se rencontre, on parle beaucoup de ChatGPT et des intelligences artificielles et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie d'équilibrer entre le potentiel que ça promet et les risques que ça transporte, que ça comporte. Est-ce que, de ton côté, tu as l'impression qu'on est tendance à être trop optimiste ou trop positif par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'il faudrait plus s'en méfier ou est-ce qu'on a un dosage correct de ce qu'on voit comme possibilité et comme danger? Oui, c'est une bonne question. De fait, nous, on avait fait des recherches sur, disons, les deux dernières années du traitement journalistique de l'intelligence artificielle. Et là, on se revoit aujourd'hui en voulant parler de Llama 2. J'aurais tendance à penser que la dernière itération, là, le dernier cycle médiatique autour de Meta et de ce Llama 2 a à peu près les mêmes logiques et les mêmes apanages, c'est-à-dire une annonce d'une grosse compagnie qui est relayée par la plupart des médias internationaux avec relativement peu de distance. Et donc là, on a à peu près les quatre ou cinq mêmes prompts là, ou mêmes histoires qui sont reliées avec cette nouvelle avancée de l'intelligence artificielle chez Meta. Ouais. Je sais pas si tu as regardé plus près Llama 2, ça fait quelques jours seulement que ça a été présenté par Meta. Là. C'est une deuxième version d'une suite d'applications d'intelligence artificielle qui jusqu'ici était à peu près, là, et je mets des guillemets, là, mais à peu près réservée au secteur académique parce qu'il y avait une licence d'utilisation, il y avait possibilité de télécharger, d'installer ça. Mais en principe, Meta réservait ça seulement à des gens en milieu académique. Évidemment, il y a eu plein de dérivés. Les gens pouvaient l'installer sur un téléphone intelligent, entre autres. Il y a plein de façons d'utiliser la partie plus open source de l'affaire, même si c'était pas des fins commerciales. Là, la grosse nouveauté, en plus d'être un petit peu plus performant, je pense que c'est cette capacité-là ou cette nouvelle licence-là d'utilisation commerciale que Meta met à la disposition des entreprises, entre autres, qui voudront utiliser cette application-là, sans nécessairement se rabattre sur les serveurs de Meta ou sans faire comme OpenAI l'a fait avec ChatGPT, c'est-à-dire que ce ne sera pas une application web spécifique, on pourra l'installer n'importe où, parce que je comprends bien ce que Meta apporte là, comme changement. Mais effectivement, moi, j'ai pas l'impression que c'est tellement novateur en termes de technologie. Là, on s'appuie sur à peu près les mêmes grosseurs de modèles, les mêmes calibrages, les mêmes paramètres. La nouveauté est vraiment dans quelque chose qui est peut-être pas tant disruptif qu'au moins stratégique, qui est franchement stratégique chez Meta, qui est vraiment de dire, nous, on passe d'un modèle qui est privé ou qui est sous licence ou qui est d'une certaine manière chapeauté à l'intérieur d'environnements fermés, hein, parce que effectivement il y a des problèmes de sécurité, il y a différents problèmes. Et là, on fait un pari qui est pas fou, mais qui est quand même hautement stratégique, c'est-à-dire on ouvre les vannes, on rend le modèle ouvert et on verra bien ce qui arrivera par la suite. Et là-dedans, il y a un pari qui est assez risqué. Ce serait quoi les risques, justement, que les gens prennent ce modèle-là et s'en servent pour faire, je sais pas moi, de la pédopornographie ou génèrent du contenu, du spam et tout? Là, le métalangage de Meta, c'est le cas de le dire, c'est vraiment de dire nous ouvrons pour rendre les choses plus sécuritaires, ce qui est assez, encore une fois, très, très, très osé comme idée, en disant il y aura une sagesse des foules, il y aura une capacité des uns et des autres de s'amender et de faire en sorte qu'on va faire des IA qui seront sécuritaires et donc effectivement il n'y aura pas ce genre de dérive-là de désinformation, de pédophilie, etc. Avec ça vient quand même l'idée d'une ouverture là, qui est quand même relative. Hein. Il y a quand même des guides qui sont franchement stricts là, en termes de, justement de mauvais usage et entre autres choses, là, ces choses-là seront interdites. Mais dans ça, il y a aussi beaucoup de capacité à se croiser les doigts et à se dire tout va bien aller, parce qu'effectivement, l'imputabilité va sortir de Meta, c'est-à-dire que les gens qui vont être capables d'accéder au code, qui vont développer de leur propre modèle ou au moins prendre le modèle de Meta et faire des amendements spécifiques à leurs choses, à leurs besoins spécifiques, ben là, le génie va être sorti de la bouteille, là, et effectivement, d'aller recontrôler légalement ou économiquement ou de toutes sortes de manières, là, politiquement, ces utilisations-là, ça va être extrêmement difficile. Ouais, parce que d'un côté, Meta dit tout ce qu'on appelle les hallucinations, donc les fausses informations créées par son outil,
sont à peu près à 0% par rapport à ce qui est créé. Donc, on dit notre outil n'est pas dangereux puisque ce qu'il produit est relativement vrai. De l'autre côté, justement, interdit l'utilisation à des fins malicieuses ou frauduleuses. Mais en même temps, le risque zéro n'existe pas. Les gens peuvent utiliser, s'approprier le code, le modifier à leur guise et créer des applications qui pourraient créer n'importe quelle forme de contenu, que ce soit des deepfakes, des vidéos super truquées ou que ce soit n'importe quelle forme de texte qui dirait un peu n'importe quoi, en fin de compte. Et le problème est un problème fondamental de base qui est entre autres sur quelles sont les données à partir desquelles on a traîné ces modèles-là. Mmh. Et là, Facebook, Meta, dit « Nous, on va être beaucoup plus transparents cette fois-ci et le Llama 2 va être un modèle transparent avec quelques variantes et avec quelques subtilités. Entre autres choses, c'est pas exactement clair sur quel type de données les modèles ont été entraînés. Entre autres, vous savez que il y a certaines poursuites judiciaires aux États-Unis contre Meta et contre OpenAI là, sur justement où ont été pêchées ces données-là pour entraîner les modèles. Et donc, dans cette nouvelle itération-là, Meta va dire, on est beaucoup plus à même d'avoir des bonnes données d'entraînement et donc d'avoir de moins en moins d'hallucinations. Mmh. Mais encore une fois, il faut les croire sur parole. On n'a pas exactement de preuve de la capacité de ces modèles-là à être moins discriminatoires, à avoir moins de biais. Et c'est là que, encore une fois, on rentre dans l'environnement gratuit, ouvert, open source de Meta, mais on rentre là-dedans aussi un peu comme dans une chapelle, hein, c'est-à-dire que les gens ou les utilisateurs, commerciaux ou non, vont devenir dépendants de cet outil-là avec quand même une certaine forme d'opacité. C'est un gros, hameçon en fait qu'on lance un peu en disant les gens vont mordre puis éventuellement on va les ramener plus tard qu'une forme. Quel est le modèle économique de base de Facebook hein, vous souvenez oui. quand Facebook est arrivé là, c'était gratuit pour les usagers avec la blague parce que vous êtes le produit vous-même. Ah oui, voilà. Là encore une fois on va attirer les gens dans cette forme de forêt ou de cette écologie. Hein. Les plateformes sont très écologiques là, au sens de écosystémique, c'est-à-dire ils attirent vers eux avec une certaine forme de d'offre de service. Et là, pour le coup, une offre de service aussi faramineuse que celle-ci, aussi gratuite que celle-ci, ben c'est sûr que ça va attirer beaucoup de gens. Et là, ben on développe les outils, on développe des compétences, on développe des savoirs, des habitudes tout simplement. Et le pari de Meta, c'est ça, c'est-à-dire que les gens vont s'habituer à être dans notre environnement versus entre autres, moi, ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est de voir qu'il y a cette dimension-là ouverte. Donc, le modèle économique de la gratuité, c'est quand même assez complexe. Il y a le modèle aussi économique du partenariat. Et là, clairement que le partenariat avec Microsoft est quand même bien joué. Il faut donner à César ce qui lui appartient. Et surtout, c'est un effort que moi, je sens assez farouche pour mettre de côté Google, là, qui se retrouve de fait franchement isolé avec les dernières annonces. C'est un peu ça qu'on voit, parce qu'Amazon serait le prochain à tomber, à devenir fournisseur, en fait, d'espèce de plateforme hébergée de Llama pour les entreprises qui veulent l'utiliser. Ce que Microsoft et Amazon font, c'est qu'ils veulent offrir le catalogue des services disponibles, puis leur principal rival, ça devient Google, effectivement, qui est isolé. Là, chez Meta, bon, il y a le responsable de la recherche chez FAIR, là, le centre de recherche en intelligence artificielle qui est le français Yann Lequeux. Dans les derniers mois, lui, s'est positionné sur l'espèce de débat, là, est-ce que c'est la fin du monde qui s'en vient ou pas, en disant, ben, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est comme bien d'autres choses, c'est un outil. Donc, foncièrement, c'est neutre. C'est ce que les gens vont en faire qui va déterminer, en fait, c'est ce que les gens font qui est bon ou mauvais. C'est le problème, c'est pas la technologie, c'est les gens. Il semble se dessiner une espèce d'opposition, appelons ça équipe Yoshua Benjo d'un côté qui dit wow, arrêtons de développer, prenons une pause, respirons, laissons le cadre législatif rattraper l'avancement technologique, et de l'autre côté des gens comme Lequin, puis Joël Pinault aussi à Montréal, qui ont dit de leur côté non, ça tout va très bien, faisons juste, soyons prudents sur les applications, mais continuons quand même la recherche. Est-ce que tu as une position là-dessus, toi, Jonathan? T'es-tu team A ou team B? Oh. Ah non, je suis ni team A ni team B. Notre rôle à nous, les sociologues, c'est de ne pas de prendre parti, mais bien d'analyser. Mais effectivement, cette controverse-là, elle est au cœur de nos travaux actuels parce que c'est absolument intéressant de voir les anciens amis débattre, ce qui est tout à fait normal et intéressant, mais des fois avec des accents très, très surprenants et pointus. Et entre autres, dernièrement, là, quelqu'un a accusé l'ami Benjo de tomber dans le politique ou la politique, ce qui était pour des scientifiques, là, c'est vraiment un mot tabou.
Pour revenir à ce que vous avez dit, Yann LeCun, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris position pour empêcher justement ce qu'on appelle les doomers, les gens qui veulent une pause, les gens qui disent qu'on est en train de mener l'humanité à leur perte. Est-ce que à ce moment-ci, c'est une position qui est pragmatique, qui est la sienne? Lui aime bien le penser, mais j'aimerais quand même apporter la nuance suivante. Quand on écoute et quand on lit les discours de Yann LeCun, excusez, il y a quand même quelque chose de symbolique et presque de mythique. Et entre autres choses, il y a deux métaphores qui reviennent toujours. L'idée que l'IA sera la prochaine renaissance, qui n'est okay. pas une petite idée et qui n'est pas une mince affaire. Mm-hmm. Et l'idée que de faire un moratoire et d'empêcher l'innovation, c'est une forme de retour à l'obscurantisme. Là, on n'est pas vraiment dans la métaphore de l'outil, on est vraiment dans des formes de métaphores historico, eschatologiques et religieuses même. Et donc, autant les encore une fois, excusez-moi, les doomers, les apocalyptiques, que les gens qui sont une certaine ouverture au progrès et à l'innovation avec ces idées d'IA-là, sont à la fois les uns et les autres dans cette même incapacité radicale de penser les enjeux sociaux de cette technologie-là. C'est vraiment, on est dans un discours des uns et des autres qui est beaucoup plus religieux que, disons, sociologique. Oui, parce que moi, je me demande, là, on a annoncé la pause de 6 mois, entre autres, le clan Bengio qui parlait d'une pause de 6 mois. Faut prendre une pause de 6 mois. Ça fait pas 6 mois, puis on est en train de sortir la main, là. Fait qu'il y a même pas, il y en a-tu eu une pause? Qui a pris une pause? Est-ce que c'était juste pour se mettre du bon côté de l'histoire et dire, non, nous sommes contre ça, puis tout le monde a continué comme si rien n'était? Non seulement il n'y a pas eu de pause, mais même les gens qui proposaient cette pause-là l'ont jamais respectée. Et entre autres choses, dans la première idée, là, le Future of Life Institute et leurs lettres, vous aviez des signataires du type Elon Musk chez Tesla et chez et autres compagnies là, qui inventent à toutes les semaines, qui ont absolument jamais respecté ça. Et pis encore, c'est-à-dire même des gens comme Bengio qui proposaient cette pause-là, finalement se sont amendés en disant non, mais finalement, il faut juste faire attention aux mauvaises IA. Comme si dans la vie, il y avait le noir et le blanc et il n'y avait aucune ambivalence entre les deux. Et donc, il y a les bonnes IA et les mauvaises IA. Et à ce moment-là, la subtilité de l'argument, pas celle de LeCun, mais cette fois-ci de Bengio, c'est de dire, non, il faut empêcher le développement des mauvaises IA. Et au contraire, il faut subventionner à grands coûts de fonds publics le développement de bonnes IA. De bonnes IA. Donc, la pause n'était pas une pause. La pause était une forme de réorientation à la fois stratégique autour de Montréal, capitale de la bonne IA, la IA gentille et moralement acceptable, avec toujours un appel à davantage de recherche, davantage de subventions, davantage de fonds publics. Ben, tu touches un bon point. Montréal qui se gargarise, on dit on est le centre mondial d'intelligence artificielle en termes de recherche académique. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on a un poids dans tout ça? Parce que j'ai l'impression que tout se passe ailleurs qu'ici en ce moment-là. Mm-hmm. Bon, dans l'économie monde de l'IA, il y a plusieurs mensonges. Entre autres choses, il y a des mensonges qu'on pourrait dire locaux ou régionaux. Nous, au Québec, on a effectivement, par capita, au Québec, au Canada, par capita, on a investi beaucoup d'argent. Mais reste que le Québec est une société de 8 ou 9 millions d'habitants qui ne fait pas du tout le poids à une société allemande, par exemple, qui fait 90 plus millions d'habitants. Et quand vous comparez les chiffres en par capita, ça c'est sûr que ça fait relativement intéressant et on a on a de quoi se défendre à Montréal. Mais en même temps, par exemple, quand l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des promoteurs disent, s'appuyant sur une seule et même étude, là, qui est celle de Turtles Consulting, disent, ben, nous, on est le 7e meilleur endroit pour faire de l'IA au Canada. C'est vraiment basé sur des études marketing qui ne tiennent pas la route et entre autres choses parce qu'il s'est calculé en termes de pourcentage sur 1 million d'habitants. Et donc, en pourcentage sur 1 million d'habitants, par million d'habitants, le Québec se classe bien. En quantité réelle, par exemple, le fait qu'on est 10 à 15 fois moins nombreux que les Allemands, ben là, les chiffres tiennent pas. Et donc, ce Turtles-là qui fait foi de tout au Québec et qui promeut à peu près l'ensemble des discours du gouvernement et des acteurs du milieu, est en lui-même une fumisterie sans nom.
Oh. Ouais, et il est basé là-dessus, on demande merci. Beaucoup d'argent d'investissement public et ainsi de suite. Et là, on a vu des cas comme Element AI où c'était peut-être un peu brûlé cet argent parce que c'était vendu pour une bouchée de pain à une compagnie étrangère. Puis là, on ne sait plus trop où c'est rendu. Et aujourd'hui, vous avez des partenariats, pour revenir à notre histoire de Meta et de Llama 2, oui. Vous avez des partenariats scientifiques, universitaires avec ces compagnies-là. Et entre autres, vous faisiez bien de le mentionner plus tôt, Facebook Artificial Intelligence Research avait... pignon et encore pignon sur rue à Montréal. Et c'est ce type d'interface entre le milieu universitaire public et ces compagnies-là privées qui, entre autres choses, moussent l'idée de l'ouverture de l'accès ouvert. Mm-hmm. Pourquoi? Ben parce que l'accès ouvert, c'est une bonne manière pour ces compagnies-là de prendre des ressources qui sont publiques qui sont universitaires publics et d'une certaine manière, dans la difficulté à breveter, entre autres, l'IA, ben, c'est une manière de coopter des ressources publiques à des fins privées. Et dans l'histoire de l'IA, vous avez toujours cette espèce de mouvement-là intellectuel et politique à vouloir plus d'ouverture et encourager par et pour ces compagnies-là. Pourquoi? Ben parce que c'est leur capacité à s'accaparer des ressources et entre autres universitaires. Et Montréal a été championne de ça et est encore championne de ça. Mm-hmm. Il y a eu une perte de capital intellectuel qui s'est effectuée dans d'autres créneaux avec cette approche-là. Donc, c'est un peu délicat comme situation, effectivement. Yoshua Benjo, tu le disais tantôt, parle de rogue AI comme la grande menace. Donc, ces espèces de systèmes hors de contrôle qui, si on lit entre les lignes, pourraient, par exemple, être une façon par la Chine de récupérer ou par la Russie ou par n'importe quel État qu'on imagine comme étant notre ennemi direct, là, récupérer ça à des fins malicieuses pour manipuler, que ce soit le système électoral ou peu importe. Il y a un cadre légal qui est en train d'être travaillé à Ottawa, entre autres, et en Europe aussi, qui sont à peu près similaires là, pour essayer de responsabiliser les créateurs des logiciels ou des codes derrière toute cette effervescence-là. Est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution? Ce qui s'en vient au niveau des gouvernements ou est-ce que ce ne sera pas suffisant pour rendre tout ça un peu plus responsable, en fait? J'ai un peu l'impression qu'il y a deux choses dans votre question. Là, il y a premièrement la question des rogue AI, là, c'est-à-dire il y a les grands méchants qui vont venir. Bon, là, encore une fois, c'est ce que je disais il y a quelques instants, il n'y a pas de bonne versus de mauvaise IA et de penser ça, là, le bien versus le mal, c'est un petit peu comme dans Star Wars, c'est pas la société fonctionne pas exactement comme dans ce type de film-là. Et entre autres choses, je vous donne un exemple très, très rapide. La crise que vous avez actuellement au cinéma ou à Hollywood en termes de grèves et des conflits de travail qu'il y a entre les acteurs et les producteurs, il n'y a pas de bons et de méchants dans cette histoire-là. C'est juste qu'il y a des producteurs qui veulent économiser des sous en créant génériquement plus en plus de films avec l'aide de l'intelligence artificielle et des acteurs et des écrivains qui veulent garder leurs emplois. On est vraiment dans une interface qui est gris sur gris. Là, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Ça, c'est une réalité qu'on va dire sociale, sociologique. L'idée que les méchants russes ou les méchants chinois vont nous attaquer, ça relève d'une certaine réalité géopolitique, mais qui est davantage de l'ordre de la science-fiction. Bon, ça, c'est une caricature. L'autre chose que vous avez mentionné, c'est effectivement, est-ce qu'on est mûr les socialement pour réguler davantage l'intelligence artificielle? La réponse, c'est certainement, et vous le voyez à peu près partout à la surface du globe, des efforts des uns et des autres pour encadrer ce type de technologie-là, qui effectivement sont très rapides et très surprenantes à bien des égards. Bon, là, ce que vous avez, c'est un modèle européen qui est beaucoup plus robuste, historiquement, mais aussi par la capacité des États européens, à vouloir développer quelque chose qui est restrictif, entre autres choses, en forçant les plateformes, par exemple, à dire lorsqu'elles utilisent de l'IA avec des watermarks, par exemple. Bon. Ce que vous avez au Canada, c'est pas du tout cette approche-là. C'est-à-dire que là, entre autres choses, on parle d'un projet de loi fédéral, le projet de loi du ministre Champagne, qui est le projet de loi C-27, qui est à l'étude et qui est en développement. Les premières itérations du projet de loi étaient une sorte de mémoire. Là, on parlait d'un 15 pages avec lequel à peu près l'ensemble éléments de la loi disaient nous irons spécifier la dite chose plus tard, alors que entre autres choses, le projet de loi européen fait une centaine de pages. Ça vous donne l'idée. Mm-hmm. Et encore une fois, le problème, c'est que dans la construction du C-27, vous avez les acteurs de l'industrie de l'IA qui ont été consultés, mais pas la population. Donc, il y a une certaine forme de juge et parti. Mm-hmm. Première problématique. Et seconde problématique,
Si tout est à discuter et à légiférer plus tard, ce que vous êtes en train de faire avec ce projet de loi-là, c'est de laisser une carte blanche. Ce qui est franchement problématique au sens de, ben, faisons pas les choses à moitié, réglons ou régulons fermement et efficacement tout de suite et arrêtons de reporter au calendrier grec. Donc, les détenants d'une approche plus critique telle que moi, entre autres choses. Ben oui, on a signé des lettres ouvertes et entre autres une dans la presse dans laquelle on disait, mais regardez, là, ça sert absolument à rien de légiférer avec des cases ouvertes en disant, nous réglerons ça le jour où on sera rendu là, qui est une forme d'acquaintance avec l'industrie. Faisons bien les choses et vous remarquez, l'entièreté des acteurs qui sont de l'industrie de l'IA au Canada sont intéressés par une certaine forme de régulation, mais toujours dans une forme d'acquaintance entre oui. eux-mêmes qui sont capables de... Bon, voilà. Justement, parce que dans l'industrie, on est content du projet de loi canadien parce qu'on dit, on établit les principes et on verra les mécanismes ensuite, alors que ça aurait, toi, tu dis un peu le contraire, il aurait fallu que les mécanismes soient inclus dans le projet de loi aussi. Entre autres choses, qu'il y ait une capacité d'un tierce institution, du type CRTC, par exemple, pour les lois sur la radio-diffusion, qui aille, en bon français, des dents et des capacités d'amender ou de forcer les acteurs à agir de telle ou telle manière. Ce que vous avez dans la mouture actuelle, c'est relativement laxiste, sinon franchement laxiste. Et ça encourage ou ça l'aide les gens à se dire, ben, nous, on peut être en faveur de cette forme de régulation-là, tant ou si longtemps qu'elle est relativement peu contraignante et relativement peu définie. Et fort surprenant a été l'effort de l'ensemble de ces acteurs-là, et entre autres du MILA à Montréal, et entre autres des gens du Conseil de l'innovation de l'IA du Canada, de faire une grande, grande tournée médiatique au printemps en disant, il faut accélérer ce projet de loi-là, il faut légiférer, il faut passer cette loi-là, et entre autres, Yoshua Benjo a été... un grand promoteur de ce moment-là, relayé entre autres choses par la presse, le Globe and Mail, etc. Et il y a relativement pas de voix externe ou de voix oppositionnelle à ce discours-là. Sinon quelques personnes à droite et à gauche, mais c'est vraiment une capacité toute canadienne d'être consensuelle au sens de l'industrie qu'on est en train de voir avec C27, oui. C'est un peu le prolongement de ce qu'on fait dans les télécoms où on laisse l'industrie presque s'autoréguler d'une certaine façon. Mais c'est le prolongement de ce que vous aviez, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs, avec, par exemple, la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, oui. dans laquelle on avait une forme d'autorégulation qui était une forme de régulation gentille et de principe, mais qui avait aucun mordant et aucune capacité restrictive. Or, il s'avère que la régulation et le rôle des États, c'est entre autres... Ça, c'est de protéger les citoyens, c'est de protéger les marchés, les industries, etc. Et les gagnants de l'IA, entre autres choses, seront les perdants des industries culturelles, seront différentes pertes d'emplois. Bon, il y a différentes problématiques sociales qui auront à être traitées par le gouvernement et l'État. Mm-hmm. dans un futur à moyen ou à long terme, alors même que l'État est un promoteur de ces changements-là, il est un promoteur de ces industries de l'IA-là. Donc, vous voyez que dans cette dynamique-là, l'État court un peu à sa perte, et entre autres choses, l'État court à sa perte parce que l'État canadien est pas en train de demander l'avis externe à l'intérieur même des industries. Et encore une fois, vous êtes dans une logique à ce moment-ci de juge et parti qui n'est pas franchement intéressante en termes d'analyse des politiques ou de capacité à avoir des politiques publiques réfléchies et arrêtées. On parle du milieu culturel, mais ça va toucher un peu tout le monde parce que quand on regarde les statistiques sur comment ça peut automatiser des processus dans le travail quotidien de bien des gens qui ont des jobs de bureau, ben oui. Les analystes promettent un accroissement du PIB énorme, du PIB mondial, et de l'autre côté, les réductions des heures de travail. Ce qui serait le fun, c'est d'imaginer que ça va bénéficier aux travailleurs, mais les chances que ça arrive pour vrai, si le gouvernement n'intervient pas au minimum, on verra pas ça. L'argent va aller dans les poches des gens qui ont déjà les moyens de faire de l'argent et les travailleurs vont en subir. Ce qui était encore une fois, vous remarquez, une forme de volonté de principe qui était dans la déclaration de Montréal sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui disait il faudrait faire en sorte que l'intelligence artificielle n'accentue pas les inégalités sociales, alors que franchement, c'est direction-là qu'on est en train de prendre, ce qui est à peu près couru d'avance. Vous remarquez aussi que l'entièreté des acteurs montréalais et canadiens de l'intelligence artificielle, qui sont, c'est ce que nous ramène à notre discussion de base, hein, qui sont partenariats privé-public avec soit Facebook, Intelligent Artificial Research, Google, DeepMind, etc. Mm-hmm. Quand ces compagnies-là ont
sont en train de faire de révolutionner le marché publicitaire au Canada et entre autres le journalisme, ce qui vous intéresse franchement, j'imagine, à travers le l'autre projet de loi sur le journalisme et c'est 18, les médias. La loi sur les 18, nouvelles en ligne. Ouais. Vous remarquez que à ce moment-ci, Facebook et Meta et Facebook étant Meta et Google et compagnie, sont pas exactement des joueurs moraux et éthiques. Et est-ce qu'il y a, c'était le commentaire du collègue Yves Gingras dernièrement dans Le Devoir, est-ce qu'il y a des gens de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada qui se sont levés pour dire que Facebook et Google n'étaient pas des joueurs vertueux dans cette histoire-là de combat avec le gouvernement et le patrimoine canadien? Aucun? Aucune personne s'est levée. Il y a personne, des Joshua Benjo et autres qui ont dit, écoutez, peut-être là que les médias canadiens et le contenu local et entre autres québécois francophones, parce que c'est important. Bon, il y a personne qui est venu à l'intérieur des communautés de l'intelligence artificielle, aussi valeureuses et vertueuses qu'elles pensent être. Il y a personne qui est venu à la défense des journalistes. Donc, c'est pas bon, exactement mon problème, mais c'est peut-être le vôtre. On travaille fort là-dessus. On a beaucoup de problèmes de notre côté, là. Faut pas. Mais c'est vrai que on parle d'intelligence artificielle, mais on pourrait aussi bien dire Facebook et Google sont en train de faire ce qu'ils ont fait dans les médias, dans d'autres secteurs avec le développement de ces algorithmes-là. Tout à fait. Donc, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Et encore une fois, c'est le même modèle disruptif d'affaires, disruptif qu'on avançait et qu'on disait il y a à la fondation de ces grandes plateformes-là, qui est de fait beaucoup plus stratégique que soit aléatoire ou soit disruptif. Ce sont des modèles économiques qui sont colonisateurs, pour ainsi dire. Oh, c'est moins important. Donc, le techno-optimisme n'est pas de circonstance, si je comprends bien. Moyennement. Ah, moyennement. Ça aurait pu être pire. Ouf. Ouais, écoute, je veux dire aux gens qui nous écoutent de l'écouter peut-être au ralenti, ce segment-là, parce que c'est lourd. Hein. Je pense qu'il va être beaucoup de choses, beaucoup de notes à prendre. Il n'y aura pas de quiz, il n'y aura pas d'examen à la fin de la saison, heureusement, parce que ça serait chargé. Mais quand même, super instructif, Jonathan Roberge de l'INRS. Merci d'avoir été avec nous. Écoute, mon cerveau est en train de bouillir, littéralement. Donc, on va digérer ça. Ça m'a fait plaisir. Un grand plaisir. Puis nous, on prend une courte pause et on vient avec nos tests de produits de la semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. On va parler d'anneaux, de bagues, d'accessoires connectés, tout ça en même temps. De santé à son doigt. De santé, de sommeil, de tout ce que vous voulez, parce que c'est un truc. Elle est moins connue chez nous, mais très populaire dans les cercles techno-américains. Là, la bague Oura. Que j'essaie depuis quelques semaines, parce que c'est une bague qui promet en fait un suivi de l'activité physique de plein de façons et surtout un suivi du sommeil qui, moi, me paraît comme un sujet extrêmement important. La question du sommeil est négligée dans la vie de bien des gens. Alors, beaucoup de gens dorment très mal, savent pas trop pourquoi. Ben, c'est un accessoire qui peut servir à le faire. La bague Oura, donc, qui vient d'être mise en marché en troisième génération, donc c'est relativement nouveau comme produit. Et ça, c'est la version Horizon, parce qu'il y en a deux versions. L'autre version, c'est la Legacy. La première génération de bagues Oura était pas parfaitement ronde. Il y avait une petite bosse sur le dessus là, qui agaçait bien des gens. Donc, c'était pas nécessairement le produit le plus fun. Et là, on vient d'arriver avec un produit qui, justement, est parfaitement rond, donc comme un anneau normal, et qui correspond pas mal à ce que les gens doivent probablement attendre de ce genre de produit-là. Et dans l'autre main, j'ai une bague qui date d'il y a plusieurs années, qui s'appelle Motive, qui a peut-être un peu lancé cette tendance-là à l'époque, parce que c'était lancé de mémoire d'un Kickstarter ou quelque chose comme Écoute, c'était très avant-gardiste à l'époque. Promettait avec ça, parce que ça, la bague Motive n'est plus supportée, n'est plus vendue, mais il en reste encore qu'on peut utiliser l'application pour un suivi de rythme cardiaque, quelque chose de base. Mais à l'époque, on disait, on voulait aussi en faire un objet de sécurité biométrique. On disait, quand tu la portes et que tu fais certains mouvements de la main, ça va être reconnu et on peut déverrouiller, par exemple, ton ordinateur. Et ça a fonctionné pendant un petit bout de temps parce qu'on allait même jusqu'à proposer ou à penser ou à promettre, en fait, d'en faire une solution pour authentifier sur les paiements en ligne, des choses comme ça, en disant, tu la portes, on reconnaît ton rythme cardiaque, une signature cardiaque, je sais pas quoi, et on peut t'identifier et tu n'as qu'à faire le fameux geste secret et là, pouf, ça va autoriser des choses. Et ça ne s'est jamais réalisé.
est venu ensuite sur le marché Oura et sa bague, qui, eux, se concentrent spécifiquement sur les questions de santé. C'est un anneau qui contient un capteur de rythme cardiaque et d'activité physique, je sais pas comment on appelle ça, mais une affaire qui calcule la température de la peau. C'est pas ce qu'on appellerait un thermomètre. C'est un thermomètre infrarouge. T'as vraiment une lumière verte, une lumière rouge, t'as plein de capteurs qui mesurent, entre autres, ta température corporelle. Calcule la teneur d'oxygène dans le sang aussi, donc peut faire plein de jugements de santé, d'état physique basé sur ça. Vendu donc en deux modèles, 5 couleurs, donc il y a plein de couleurs de bagues qui sont très métallisées, là. Donc on a l'or rose, l'espèce de gris alu, gelé en titane. Offert dans des tailles de bagues de 6 à 13, ça, je vous dirais, c'est pratique, parce que ça couvre probablement 97% des gens, mais moi j'ai la plus grosse, et elle fit à peine, elle entre à peine dans mon doigt. Mon annulaire, donc c'est une question de main, j'imagine, je sais pas, mais c'est important. Ce qui est fun avec ces appareils-là, c'est quand on les achète, parce qu'on les achète en ligne, évidemment, ils envoient d'abord une trousse de pour mesurer le genre de grandeur de bague. Si vous achetez une bague chez le bijoutier, vous portez, par exemple, une bague de taille 12, comme la mienne, ça se peut que ce soit pas la même chose. C'est ça. Avec une bague connectée, parce qu'il y a de la quincaillerie là-dedans, puis les dimensions sont pas tout à fait les mêmes. Ah oui, prenez le temps de commander. Je sais que vous avez hâte de l'essayer, là, mais prenez le temps d'essayer avec le kit. Essayez sur différents doigts, essayez pendant quelques jours avant de commander votre dimension de bague connectée. Votre confort va être beaucoup plus. Celle que j'ai ici, donc, est en titane. Elle est submersible jusqu'à la profondeur de 100 mètres. Donc, on peut l'utiliser quand on fait de la natation, quand on fait de l'activité physique en général, quand on court, n'importe quoi. C'est un objet en métal qu'on porte à la main. Donc, si vous la frottez sur des surfaces abrasives, ça va laisser des traces. Au gym, c'est ça. Si vous soulevez des haltères au gym, si vous faites l'activité, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire, mais si vous faites du kayak, du canot, vous avez une pagaie métallisée, des trucs comme ça, souvent, ça peut devenir... Écoute, elle est assez résistante. J'ai fait des trucs en oubliant de l'enlever dans le cas de la motif que j'ai depuis plusieurs années, ont vraiment fait des marques assez durables, très maganées celle-là, mais elle a jusqu'à maintenant aucune trace. Donc, elle est quand même assez résistante. Je suis surpris, en fait. Stan, c'est solide quand même. Exactement, parce qu'il y a eu des contacts métal à métal, puis il s'est rien passé, donc c'est quand même pas si mal, mais il y a toujours le risque, surtout parce que les haltères, souvent, les poignées sont très abrasives, hein, pour qu'on les tienne bien, même avec la sueur. Et ça peut faire des traces. Donc, tout ce qui est objet métallisé, moindrement rugueux, ça risque donc faut faire attention. Le truc, le fun, c'est qu'on dit une semaine d'autonomie par entre deux charges. 4 jours, 5 jours selon votre genre d'activité physique. Mais c'est quand même mieux que 24 heures ou même moins. C'est le cas de bien des montres connectées. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette bague-là, c'est qu'on peut la porter 24 heures par jour pendant plusieurs jours et quand même avoir un bon suivi de différentes étapes de sa journée, incluant la journée de travail nécessairement, l'activité physique qu'on fait le jour ou le soir et le sommeil. Ça, j'ai dit tantôt, c'est une des forces de la bague. Bon. Mais il y a aussi un truc qui fait bien Oura, et c'est à travers l'application mobile qui vient avec, évidemment, c'est qu'elle elle calcule un score de ce qu'elle appelle de préparation. C'est-à-dire que le matin, elle vous dit si vous êtes d'attaque pour une journée et quel genre de journée vous devriez avoir. Si vous avez une journée très chargée, elle va vous dire si vous êtes prêt ou pas. Aussi. Peut-être que ça vous aide à prévoir si vous êtes un petit peu plus fatigué ou pas. Une façon peut-être d'aborder les choses, parce que si vous avez tendance à être fatigué des fois et que ça vous mène à être il y a des gens qui sont bougonneux, des gens qui vont devenir plus négatifs ou peu importe. Mais au moins là, on peut d'avance savoir et peut-être réagir ou s'adapter ou préparer peut-être sa journée en conséquence aussi. Et ça, c'est assez bien. Quand on achète la bague, qui est quand même pas donnée, elle coûte 400 $ canadiens, donc il faut quand même préparer ça. Je veux dire, celle-ci, elle va durer longtemps. La motive, si je me fais celle-là, elle a encore une bonne autonomie de 3 jours depuis, écoute, je sais pas, ça fait plus que 5 ans que je l'ai, donc ça fait quand même assez longtemps. Donc, c'est bon de ce côté-là. Elle va durer longtemps, donc ça explique le prix. Mais par contre, pour l'utiliser pleinement, il faut et c'est ça le problème, à s'abonner au service mensuel d'Oura. Il y a 1 mois gratuit à l'achat, et après ça, c'est 9 $ par mois. Et ça, évidemment, ça permet d'avoir accès au meilleur de cette technologie-là, parce qu'à partir de là, on a accès à une analyse très détaillée des sommeils, l'activité physique. Il y a beaucoup d'informations sur l'état de santé, veille, bon, tendance, tout le kit là, qui est fourni par l'application à cause de ce service par abonnement-là. Donc, c'est peut-être c'est bon, c'est moins bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait l'essayer avant de l'acheter, dans le fond, pour... après ça, pas avoir à payer l'abonnement si on s'en sert pas. Cela dit, l'analyse est intéressante. Il y a une bonne intégration aussi des données des applications comme Apple Santé sur l'iPhone et comme Google Fit sur les téléphones Android. C'est aussi compatible directement avec Strava, l'application très connue des gens qui font de l'activité physique, pour échanger des données. Et c'est ça, à la fois la grande qualité et le principal défaut d'un anneau comme celui d'Oura, c'est que c'est pas un appareil qui est 100% complet. Pas l'utiliser de façon autonome, mais avoir toute l'information qu'on aimerait avoir sur son état de santé, mais ça complète super bien
ce qu'on ferait avec d'autres, par exemple une montre connectée. Ou avec un autre, un bracelet d'entraînement quand on fait du vélo, des choses comme ça. Parce qu'évidemment, ça calcule le rythme cardiaque, le taux d'oxygénation du sang, ses déplacements, ses pas, ces choses-là, des données de base. C'est très peu encombrant et intrusif parce qu'on l'a au doigt puis on l'oublie rapidement. Ça calcule très, très bien l'état d'éveil la nuit. On sait si on a bien dormi, dormi moyen, s'est réveillé, on a bougé. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont super le fun. Mais ça a besoin des fois d'aller chercher l'information sur d'autres accessoires, d'autres appareils qu'on doit avoir pour vraiment donner un portrait global. Donc, c'est un premier pas vers une information intéressante sur son niveau de santé ou son état physique, dans le fond, mais c'est pas complet. Évidemment, ça se jumelle par Bluetooth à l'application sur un téléphone. On peut pas s'en sortir. Ce que j'aurais aimé, parce que là, Oura vante aussi le jumelage entre son anneau et l'Apple Watch, entre autres du côté d'Apple, parce qu'il y a une application qu'on peut installer sur l'Apple Watch. Malheureusement, il faut synchroniser surtout dans son téléphone pour que ça se rende à la montre et on peut pas le faire sans le téléphone. Et je trouve que c'est un peu niaiseux. Ouais. Parce que ça aurait été le fun de jumeler la montre, surtout l'Apple Watch, qui est quand même assez capable d'en prendre, disons-le comme ça, et la bague directement pour avoir une espèce de kit de santé sur le bras, sur la main, sans avoir à passer par le téléphone. À mon avis, ça rajoute une grosse valeur à la bague Oura, mais les gens d'Oura n'ont pas pensé à faire ça, ce qui est un petit peu triste à mon sens. Mais sinon, ben, on a une application mobile qui est assez complète. On suggère évidemment, basé sur l'état de son sommeil et tout le kit, là, des activités, ça c'est très tendance, là, de bien-être. Donc, on va vous dire si vous avez besoin de respirer ou de... En fait, tout le monde a besoin de respirer, mais si vous avez besoin de prendre un instant pour faire des exercices de respiration ou si vous avez besoin peut-être d'adopter certains exercices de méditation ou certaines pratiques de vie pourraient vous rendre plus reposé, plus en forme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de contenu comme ça qui est offert dans l'application. C'est quand même assez bien. Pour les femmes, je peux pas dire que je l'ai essayé vraiment, mais avec le détecteur de la chaleur de la peau, là, entre autres choses, on peut aider à mieux gérer le cycle menstruel. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile. Là. Je sais pas à quel point ça, c'est vraiment au-delà de mon expertise. Mais dans l'ensemble, ça fait un ensemble assez le fun pour un petit accessoire portatif, en fait, qui est comme assez discret, mais qui aurait pu être complet. Évidemment, bon, c'est un anneau, faut prendre la bonne taille, tout le kit. On demande, quand on l'achète, de s'assurer que c'est quand même assez juste, là, au doigt, que ce soit pas trop large, parce qu'elle bouge beaucoup, puis quand elle bouge, ben, elle est moins précise, donc il y a peut-être une possibilité, là, d'avoir des données qui sont pas parfaites. C'est un problème. C'est le même genre d'information qu'on obtient dans cette bague-là en 2023 qu'on obtenait des accessoires connectés il y a 5-6 ans. Donc, est-ce qu'on a vraiment fait évoluer la technologie? Je ne sais pas à quel point on peut le dire. Ce qui fait que les gens qui veulent un accessoire connecté, un bracelet à 70$ va donner de l'information pas bien ben différente de ce que fait cette bague-là pour 400$. Donc ça, c'est vraiment une question. Il y avait le côté lifestyle à Oura aussi là, qui était très, très, très important aux États-Unis, ouais. Qui a peut-être transféré ici aussi, mais c'est il y a ça aussi là-dedans. Donc, on va dire, ah, moi, j'ai les moyens de payer une bague à 400$, ça paraît bien. Donc, c'est un plus pour un moins, parce que c'est pas nécessaire de payer cher de même. Et le jumelage, effectivement, au téléphone essentiel et au service par abonnement, moi, c'est un irritant, définitivement. Donc, je vous dirais, c'est une belle bague. Je veux dire, pour moi, c'est la référence dans le marché des bagues connectées, dans la mesure où c'est un marché puis qu'il y a une référence à avoir. Mais, effectivement, c'est un peu cher. Et il existe d'ailleurs des alternatives. Je pense que parfois, il y en a qui s'en vient. Ben oui, c'est ça, c'est très drôle. Tu dis que... Il y a encore du travail, il y a encore l'amélioration à faire, à mon avis. C'est ça, voilà. Tu dis que là, je te lance la POC, Pascal. Voilà, c'est pas voilà. C'est une alternative assez intéressante. Voilà. Je prends la POC. Tu parles d'Oura comme la référence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la marque dont on entend le plus parler. Mm-hmm. Moi, j'ai reçu et essayé la Ultra Human Air, qui est une compagnie indienne qui travaille ouais, très, très fort. Ici, en fait. Écoute, très similaire comme concept, une bague en titane, même principe. La Air se veut très légère, 2,4 grammes. Alors, C'est deux fois moins que la Oura. Là. Ouais. Voilà, mais on s'entend là qu'une bague un gramme de plus ou deux, pour moi, ça fait pas une grosse... Je suis assez fort pour ne pas constater la différence. Mais c'est plus léger, plus performant. Il n'y a pas d'encoche pour repérer la position optimale des capteurs. Quand tu dis que ça tourne, les capteurs dans les bagues connectées doivent être à l'intérieur de la main. Mais comme la bague est parfaitement ronde, elle a tendance à glisser des fois simplement en mettant ses mains dans l'eau, en se lavant les mains. Des fois, la bague tourne un peu. J'aurais peut-être aimé sur la bague qu'on avait, il y avait une espèce d'encoche qui permettait de, juste avec ton doigt, replacer rapidement la bague au bon endroit. J'aurais aimé ça. La Ultra Human Air annonce jusqu'à 6 jours de charge, sauf qu'on nous rappelle, à partir de 30%, commencez à penser à charger votre bague. On le pose sur un petit shot. Donc, à 30%, ça voudrait dire qu'on a à peu près 4 jours de charge. On a de la marge. On peut encore partir pour la fin de semaine avec 30%, mais c'est quand même assez chouette. Il faut aimer porter une bague.
Je ne suis pas un porteur de bijoux, mais je trouve, compte tenu, j'essaie de perdre du poids en ce moment, j'essaie de m'entraîner plus, je trouve ça cool d'avoir la bague. Tu sais, le côté lifestyle d'une bague, tu veux dormir la nuit sans rien ton poignet. Moi, j'ai tendance à dormir avec un bracelet connecté pour avoir mon rythme cardiaque et tout. Le fait de le faire simplement avec sa bague, pendant que sa Apple Watch recharge, par exemple, pendant que sa Pixel Watch recharge, tu peux avoir tes données qui continuent d'être capturées. Si t'es pas à l'aise de mettre ta montre à l'eau, tu peux avoir ta bague ou encore porter une bague, une montre conventionnelle. Tu peux apporter une montre mécanique, ta Rolex, là, tu peux la porter puis garder tes données avec ton bracelet. Les algorithmes sont différents. J'ai regardé avec le bracelet Whoop que j'ai depuis quelques mois, ça donne pas exactement les mêmes données. Ça, c'est fatigant parce que tout le monde, évidemment, dit nous avons le maximum de précision. Mais pour détecter ton état de sommeil, il y a un jeu tout le temps. On parle de 15-20 minutes. Il va détecter un peu plus tôt, un peu plus tard. La bague mesure la température, donc il tient compte, dans le cas de la bague, beaucoup la température de la peau, la baisse de ta température. Ils vont même te dire, ton corps, ta température, quand tu t'es endormi, a baissé plus tard qu'à l'habitude. Peut-être que tu aurais pu te détendre avant de te coucher. J'aime beaucoup le rapport hebdomadaire. Je ne sais pas si tu as reçu ça. Oui, ben il y a des rapports mensuels aussi qui sont très bien chez Oura, qui sont très détaillés, qui permettent de sortir des tendances à long terme. Ça, c'est un gros plus, effectivement. Je trouve que c'est un gros plus, mais en même temps, c'est de l'information avec laquelle on peut pas faire grand-chose. On parle, entre autres, la grosse nouveauté dans les capteurs connectés de santé, c'est la variabilité cardiaque. L'écart entre tes non seulement le nombre de fois que ton cœur bat par minute, mais la variation entre les battements. Et plus la variation serait grande, plus ton corps serait prêt à en prendre. Ton système sympathique et parasympathique se concentre. Mais en même temps, tu peux pas faire grand chose à part t'entraîner très fort puis espérer que ça change. Si t'es pas en forme, ça va rester bas. J'ai été très impressionné par la détection des siestes. La Whoop, elle détecte jamais. Je suis un siesteux. Je sieste régulièrement. La bague a immédiatement détecté mes siestes. Hey, on a l'impression que tu as fait une sieste entre telle heure et telle heure. C'est tout ça. Je veux dire ceci. Sur la Oura, là, il y a effectivement une détection automatique d'activité qu'elle n'a pas répertoriée officiellement, mais des fois, il y a beaucoup de faux positifs. Tu vas lire un livre 45 minutes et pas penser que c'est une sieste. Ça peut devenir, c'est pas très grave, embêtant. Là. Ça, c'est des algorithmes assez fous. J'ai pas vu que la Ultra Human Air détectait les activités physiques. J'essaie de marcher, j'essaie de bouger, j'essaie d'aller au gym. Il n'y a pas détecté encore d'activité, pas de vélo, pas de... C'est peut-être une fonctionnalité qui s'en vient. L'avantage de la Ultra Human Air, elle est un peu plus chère que la Oura. Elle est 460 prix d'achat, mais il n'a pas d'abonnement ensuite. Elle va durer longtemps de ce point de vue-là. Donc, ça peut être une belle économie si on veut une bague sans payer d'abonnement, $460, en 6 mois à peu près, on va payer la différence avec la Oura. La leçon de la motive, c'est que les entreprises moins connues ont tendance à peuvent disparaître. Et voilà, les entreprises moins connues et celles qui n'ont pas d'abonnement. Parce que c'est ça, une fois que tu as lancé ton produit, il faut que tu continues de le mettre à jour, le sécuriser, l'ajouter des fonctionnalités. Si t'as pas un revenu soutenu pour une entreprise, c'est dur de tenir. Fait que on garde ça. Mais en même temps, Ultra Human travaille très, très fort. Regardez leur site, très professionnel, très cool, très belle emballage et tout. Je vais recevoir bientôt la Oura Horizon aussi. Je vais pouvoir les comparer, porter une dans chaque main et voir la différence. Mais Ultra Human Air, Oura Horizon, pour avoir la santé à son doigt, c'est très, très cool. Voilà. Pour ceux qui ne cherchent pas un bracelet, en tout cas, c'est une façon effectivement de contourner l'objet plus encombrant qu'est la montre. Et puis, c'est pas la bien de bague, c'est vrai, tu as raison. Côté lifestyle. Ben bon, on se sent bien vaste. Effectivement. Cool. Ben merci Pascal, merci tout le monde. Ça complète notre balade de la semaine. Est-ce qu'on remercie nos partenaires? Tout à fait. Plan Hub, TELUS, Jura, merci à vous de rendre ce podcast possible et nous permettre de manger. C23, le groupe Cogeco qui distribue le podcast partout au travers du Québec. Merci de nous écouter, vous êtes géniaux. Claude Hébert, la mise en onde. PascalForgette.com pour me joindre et on peut m'écouter au 98.5 FM sur les antennes, sur le réseau Cogeco. Vous pouvez m'écouter sur le web. Je fais une chronique sur l'émission de Louis Lacroix autour de 8h45, 9h. Chronique techno chaque jour pendant encore 3 semaines, je réalise que je fais plus de contenu que 2 émissions complètes d'une demi-heure chaque semaine. Je me trouve cowboy, mais ça va très, très bien, même si on est l'été. Effectivement. Merci Pascal, merci tout le monde. Il fait chaud, allez vous rafraîchir si vous êtes dans une piscine. Sortez, décrochez l'Internet un peu. Nous, on va faire la même chose et on se revoit la semaine pour une autre tasse de thé. Salut tout le monde! C'est 23.